semaine, on fait un tour du côté de la Semaine Noire qui se déroule en ce moment à Marseille. Qui se déroule en ce moment, exactement. Vous n'étiez peut-être pas aperçu étant donné le beau temps qu'il fait ces derniers jours, mais on est en pleine Semaine Noire. Alors la Semaine Noire, qu'est-ce que c'est? Ça intéresse qui? La Semaine Noire, c'est une manifestation culturelle qui met à l'honneur le genre littéraire, donc du roman policier, du roman noir. C'est organisé par l'association L'Écrit du Sud. Alors comment ça marche? C'est des rencontres, comme ça pendant toute la semaine. Des rencontres, des dédicaces avec de nombreux auteurs du genre, un jumelage d'auteurs également, une résidence d'auteurs. Voilà, c'était notamment le week-end dernier, les Terrasses du Polar, un salon littéraire consacré au genre qui avait lieu au Cours Julien. Ouais. Un salon littéraire lors duquel a été décerné le prix marseillais du Polar 2010, qui a été accordé cette année à Gilles Vincent pour Sad Sunday. Voilà, on voit la couverture à l'écran. C'est un triptyque, ça c'était le deuxième tome qui était paru il y a quelques mois de ça déjà. Je vous en reparlerai parce que le troisième tome est à venir et ça se passe à Marseille, donc je vous reparlerai de cet auteur. Avec plaisir. Et de ce roman, voilà. Donc la Semaine Noire, c'est également, je vous le disais, une résidence d'auteur. Alors cette année, la résidence d'auteur se passe à la Friche, important de le préciser. Friche Belle de Mai. Friche Belle de Mai, cette année l'auteur en résidence c'est Gianrico Carofiglio, un grand auteur italien de romans noirs. Carofiglio, j'ai pas l'accent, je suis désolé. Attention, là. Il faut s'appliquer. Attention, oui. J'essaierai, je vais faire un effort. Alors, le dernier opus de ce monsieur, le voici, Les Raisons du Doute, paru aux éditions du Seuil. Alors, et vous l'avez rencontré, je l'ai rencontré, monsieur. Exactement. Alors, Gianrico Carofiglio, rapidement, pour resituer le personnage. Pas d'effort, Annie, pas d'aucun effort sur l'accent. Pour resituer un petit peu le personnage que j'ai rencontré à la librairie de Les Cahiers, là, vous voyez justement les images de la librairie Les Cahiers à Marseille, librairie bien connue. Qui édite également, on voit les éditions, les ouvrages de les éditions latinoires. Alors, le personnage de Gianrico Carofiglio, ridicule, il n'y a rien à faire, on resitue rapidement, c'est un écrivain, mais avant ça, il a été procureur, il a été magistrat en Italie, procureur, juge, et également, il est d'ailleurs toujours sénateur du Parti démocrate italien. Dire, il est menacé, quoi. Je pense que, ouais, voilà. Non, mais c'est intéressant d'en parler parce que ça a été magistrat anti-mafia, ça a été magistrat anti-mafia très important dans sa ville de Bari, dans le sud, dans la région des Pouilles. Oui. Il a notamment fait tomber un groupe mafieux. C'est vraiment quelqu'un de très impliqué dans ce domaine-là en Italie. Il est également donc romancier. Son dernier opus, Les Raisons du Doute, le voici. Je l'ai rencontré, j'ai eu l'honneur de le rencontrer. Il va nous parler un petit peu comme ça de son dernier ouvrage. Et puis de ce personnage qui revient, ce personnage régulier de Guido Guerrieri, l'avocat. Guido Guerrieri, pardon. L'avocat qui revient dans ses romans comme ça. On l'écoute nous parler de son personnage et de son ouvrage. Les histoires sont inspirées par des expériences vécues, mais elles ne sont pas vraies. Et il faut dire que j'ai été magistrat du parquet, mais le personnage est un avocat de la défense. Il est un avocat de succès, mais en même temps, il est un homme qui a un dialogue intérieur très difficile, il est un homme fragile. Et la partie la plus importante pour moi du personnage, c'est qu'il a beaucoup d'autodérision, comment dirais-je. Et c'est très important, et je crois que c'est la raison pour laquelle il est devenu peut-être populaire. Et quelquefois, on me demande si le personnage est autobiographique. Avant, je disais, ce n'est pas autobiographique, c'est mon personnage, je suis l'écrivain. Mais après, j'ai vu comme le personnage est devenu populaire avec le public féminin. Et je suis devenu plus flexible. Et maintenant, je dis, oui, c'est de l'autobiographie, c'est moi. Voilà. Donc, Guido Guerrieri, qui est le personnage principal des ouvrages de Gianrico Carofiglio, depuis le premier ouvrage. Donc, c'est un avocat. Ce qui change dans l'œuvre de cet écrivain, c'est ça. C'est-à-dire qu'on lui prête l'invention du legal thriller. C'est-à-dire que le personnage principal du roman n'est ni un flic, ni un détective, comme dans les polars classiques. C'est un avocat. Donc, on est vraiment dans le milieu judiciaire. En plus de ça, on est dans le milieu judiciaire italien. C'est très intéressant, d'autant plus intéressant. J'ai une question, c'est une histoire vraie ou c'est un roman? Non, alors c'est, oui, j'avais posé la question, il dit qu'il s'inspire de faits réels. Il faut que vous lanciez votre interview, mais que c'est, voilà, bon, je vous reparlerai alors de l'histoire. La deuxième question que j'ai posée donc à cet auteur, c'est son rapport avec Marseille. Est-ce que, voilà, donc il nous parle tout de suite de Marseille, on regarde, on écoute. J'ai été invité à Marseille par la Friche et par la Semaine Noire, que c'était une manifestation très intéressante parce qu'elle donne l'opportunité de se rencontrer avec d'autres auteurs et de connaître une place, que c'est une place très littéraire.
Marseille, c'est une belle ville, mais c'est un place très littéraire. J'ai lu le roman de Jean-Claude Hutson et je trouve que c'est une bonne opportunité pour changer son point de vue, connaître autre chose et pour moi d'essayer de parler français. Et je dois dire que je me suis senti tout de suite chez moi ici. Il y a un universel méditerranéen que je reconnais et dans lequel je me sens bien, je me sens chez moi. Ciao agli amici marsigliesi. Ah ben oui, voilà, ciao agli amici marsigliesi, hein. Salut aux amis marseillais. Une rencontre, c'est vendredi, une rencontre à l'Alcazar, à la bibliothèque de l'Alcazar. Oui. Jean-Rico, Caro Figlio. Quelle heure? C'était à 17h, on va voir de suite, peut-être, voilà, c'est vendredi 8 octobre à 17h, donc ne manquez pas ça, super intéressant. Vous pourrez travailler l'accent avec lui. Et je pourrais travailler l'accent.